Bonjour tout le monde. Je suis le leader DEF depuis la République du Congo. Je m'adresse ici à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Tous ceux qui ont cru en cette opportunité Shinsu Exchange. Je vais vous livrer ici, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Du bon business où vous pouvez vous faire de l'argent. Vous voyez. Ici, je suis dans mon premier compte, Shinsu. Là, la crypto-monnaie a baissé. C'est le moment ou jamais d'acheter. Ça veut dire que si tu as 738 dollars, tu as 1 milliard de pièces. C'est ce que ça veut dire. Bien. Moi, j'ai développé ce business Shinsu-là. Voilà mon grade actuel. Quand je suis passé au grade du troisième grade, je vais te montrer. Regarde les 2500 dollars que l'entreprise m'avait payé. L'entreprise m'avait payé 2500 dollars cash. C'était le 28 septembre. Ça veut dire que le 28 octobre, je vais recevoir mon premier salaire dans ce mois-là. Le salaire que je vais recevoir ici, c'est un salaire de 1250 dollars. Par mois que l'entreprise va me payer. Shinsu est listé sur Pooncoin, sur DeskTool, sur PackNSwap, sur CoinMarketCap et sur CoinGecko. C'est pour vous dire que c'est pas, ce n'est plus un projet à blaguer avec. Les gens qui sont intelligents doivent développer ce business et doivent continuer à acheter cette crypto-monnaie. Je vous avais dit que lorsque une crypto-monnaie, c'est une ICO, c'est le moment ou jamais de faire le paquet. Voilà d'abord le premier business. Et puis, je vais vous montrer le deuxième business dans cette vidéo-là. Donc, ça veut dire quoi? L'importance dans une affaire, c'est de développer le projet. Regardez, moi, je suis fier. Je suis fier le fait que j'ai partagé l'opportunité à 3280 personnes. Qui profite de Shinsu Exchange et le moment est là pour acheter et acheter encore des milliards de pièces. Quand la crypto-monnaie chute comme ça, c'est le moment ou jamais d'en profiter, d'emmagasiner, d'en avoir assez. Bien. J'ai ici, ce sont 2 millions de pièces. Je vais faire un retrait. Papa. Je vais faire un retrait ici. Papa. Alors, donc, le retrait que je vais faire ici, c'est quoi? Papa. Sakura, je suis en train de faire une vidéo. Attends-moi, Yaya. Papa. Bonjour, Sakura. Papa. D'accord, c'est bon. Je suis en train de faire un retrait. Je suis en train de faire un retrait de ce soir 2 millions de pièces. Alors, comment ça va se passer? Je vais aller directement dans Trust Wallet. J'arrive dans Trust Wallet ici. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer le deuxième business le plus fort. Je viens ici dans Trust Wallet. Voilà. Je suis dans Trust Wallet ici. Regardez ce qui est intéressant. C'est que Shinsu est déjà listé. Voilà le prix de Shinsu en ce moment-là. C'est listé. Alors moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais cliquer sur recevoir. Je clique sur recevoir, copier. Je copie. Et ensuite, je viens directement ici. Je viens retirer. Je clique sur Withdraw. Je clique sur Withdraw ici. Je viens, je mets l'adresse. Ensuite, je vais mettre le montant que je vais récupérer. 6 et 2. 2 encore, je mets 6 encore. Je mets 1, je mets 3 et je mets 9, 9. Et je clique sur Submit. Une fois que j'ai cliqué sur Submit, je vais directement dans mon adresse mail pour aller récupérer le code. Je te rappelle que nous sommes le 5 octobre aujourd'hui. Voilà. Pour te dire que pendant que tu dors, les autres se tapent de l'argent. Pendant que tu dors, les autres construisent leur empire. Parce que dans la vie, on dit souvent que vaut mieux aller d'abord investir avant d'en jouir. Je clique ici, submit.
Là, je viens de faire un retrait. Vous avez vu. Alors, je clique là. Je reviens ici. Je n'ai plus de pièces disponibles à ce niveau-là. Tout est pour revenir à 0,600 marché et tout. Je viens là dans Trust Wallet. Une fois que je suis dans Trust Wallet, je viens ici. Je mets là. Je suis en train de faire une vidéo. S'il vous plaît. Je clique là. Voilà. Voilà, j'ai retiré 59 millions de pièces. Voilà l'équivalent, ça fait 43 dollars. Maintenant, le projet Shinsu que vous avez vu. Donc moi, je me suis battu corps et âme. J'ai réalisé un chiffre d'affaires de plus de 125 000 dollars. Je suis rentré dans le plan de carrière. Et mon grade ici, c'est le grade du John S3. Et je suis payé chaque mois. Je suis payé chaque mois à 1250 dollars. Donc, soit 812 000 francs CFA chaque mois. Pendant 8 mois dans ce projet en passif. Je vends ou je ne vends pas, je serai toujours payé. C'est ça, en fait, l'avantage de Shinsu. Maintenant, le deuxième business que je vais vous montrer dans cette vidéo-là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous avais dit ceci. Que les gars, je suis là pour orienter les Africains qui veulent se taper de l'argent, qui veulent construire un empire. La crypto-monnaie demande la patience. Je viens ici, je clique sur Salam. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà le deuxième projet le plus lourd. Ce projet-là s'appelle Strike. Alors, au niveau de Strike ici, je suis déjà au premier grade. Mon grade est Jade. Je suis en train de me battre pour aller au deuxième grade. Pour arriver au deuxième grade, il me faut 5 000 dollars de chiffre d'affaires. Or, j'ai déjà 2100 dollars de chiffre d'affaires. Ça veut dire que ça me manque 4900 dollars de chiffre d'affaires pour devenir pire. Alors, le projet que vous voyez là, Strike, c'est une entreprise qui a lancé sa propre crypto-monnaie qu'on appelle Strike, STKK. Sa crypto-monnaie est déjà listée sur CoinMarketCap, sur plusieurs exchanges. Et sa crypto-monnaie a son propre wallet. Voilà le wallet de l'entreprise, est là. Je clique ici. Voilà son wallet. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà le wallet de l'entreprise. Ça, c'est son portefeuille. Le portefeuille de Strike. Voilà le portefeuille de l'entreprise est là. Alors, quand je clique ici, voilà la valeur actuelle de la crypto-monnaie SKK. Sa valeur est là. Quelle est la particularité de ce portefeuille? Ce portefeuille-là, sa particularité, c'est quoi? Quand tu viens mettre tes crypto-monnaies ici, chaque année, tu reçois un pourcentage en fonction du montant que tu as déboursé. Par exemple, pour le Bitcoin ici, si tu mets, par exemple, ta crypto-monnaie Bitcoin là, chaque année, ça te rapporte 7% du montant que tu as déboursé. Toutes les crypto-monnaies ont leur montant ici. C'est ça qui est intéressant. Donc, en réalité, ce portefeuille-là te fait le staking libre. Ça, c'est le premier avantage. Je reviens encore. Le deuxième avantage, quand tu te lances dans ce projet, tu viens, tu achètes un node. Les nodes commencent ici. Quand je viens sur le trait, je viens sur InfraNode. Les nodes ici, Combine Node. Les nodes ici commencent à partir de 100 dollars. De 100 dollars jusqu'à 2500 dollars. Il y a des nodes de 10 000 dollars. Il y a des nodes de... Il y a plein de nodes. Tout le, il y a 75 000 dollars. Il y a plein de prix ici. Alors, c'est quoi l'importance d'acheter un node au niveau de Strike? Alors, l'avantage d'acheter un node au niveau de Strike est que quand tu achètes ton node au niveau de Strike, par exemple, si tu prends le cas du node de 1 000 dollars, automatiquement, l'entreprise te rembourse tes 1 000 dollars en crypto-monnaie de STKK. Et les 1 000 dollars en crypto-monnaie de STKK sont bloqués pendant une période de 100 semaines en staking. Pendant une période de 100 semaines. Ça, c'est un. Et l'entreprise va libérer cette crypto-monnaie lorsque le staking de l'entreprise finira. Toi-même, il faut voir actuellement le prix de STKK est de 227 dollars. Je viens de te montrer ça. Ça, c'est d'abord le premier point. Deuxième point. C'est que chaque semaine, tu gagnes 2% du montant que tu as déboursé. Et cette fois-ci, l'entreprise te verse cet argent-là en crypto-monnaie STKK. Et ça vient ici, là où tu vois Available STKK. En ce moment-là, tu peux faire le retrait. Tu ramènes ça dans le portefeuille. Et si tu veux convertir les STKK, tu ramènes ça directement sur LBank. Au niveau du LBank,
tu convertis tes pièces de STKK en USDT TR7. C'est comme Shinsu. Tu prends les pièces de Shinsu, tu ramènes directement sur Trust Wallet. De Trust Wallet, tu vas, tu vends ça sur PancakeSwap à n'importe quelle monnaie. Maintenant, eux ici, leur STKK est directement converti sur LBank avec la crypto-monnaie USDT TRC20. Est-ce que tu me comprends jusqu'à ce point-là? Voilà comment tu peux te taper de l'argent grâce à cette crypto-monnaie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je dis bien et je pèse mes mots? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est une occasion à ne pas rater. En dehors de Shinsu, voilà un vrai projet. Hein? Ça, moi, je ne sais pas, vous cherchez quel genre de business vous dans la vie. Voilà un vrai projet. Je n'ai pas encore fini. Donc là, j'ai terminé pour tous ceux qui n'aiment pas faire le parrainage. Voilà comment vous pouvez gagner dans Strike. Maintenant, si vous êtes comme moi, le leader dev, vous aimez partager. Je voulais tout simplement vous montrer mon équipe, mais comme il y a les noms des gens dedans, je ne peux pas exposer les noms d'autrui. Je respecte l'identité des personnes. Depuis que j'ai commencé le projet ici, j'ai déjà au moins plus de 100 personnes inscrites dans ce business-là. Je suis encore dans les débuts. Le projet Strike a été lancé le 12 août 2022. Voilà, chaque projet a sa date de lancement. Voilà. Donc, on n'est pas dans la philosophie où les gens vont poser la question de savoir le projet a fait combien de temps hein, pour que je puisse me lancer. Non, mon frère, je ne suis pas là-bas. Le projet-là a démarré le 12 août 2020. Donc, c'est encore récent. C'est le moment où jamais. Mais sa crypto-monnaie est déjà listée sur Coin. Attends, si je viens ici. On dit souvent que trop parler peut tuer. Avant que je puisse finaliser la vidéo, on va aller vérifier sur CoinMarketCap. Vous vous blaguez avec la crypto-monnaie Strike. Voilà, bien. Maintenant, pour ceux qui aiment parrainer, partager l'opportunité. Alors, j'ai encore oublié une chose. Lorsque vous achetez votre node, hein, vous achetez votre node, excepté tout ce que je vous ai dit là, l'entreprise vous ajoute encore les pourcentages qui doivent vous bénéficier, qui doivent permettre à ce que vous puissiez encore gagner plus d'argent lorsque vous mettez vos crypto-monnaies dans leur portefeuille. Par exemple, si vous prenez, par exemple, ici, je suis sur le portefeuille. Si vous avez mis vos bitcoins dans le portefeuille, n'est-ce pas? Ici, au niveau du bitcoin, on vous dit que vous recevez 7% du montant que vous avez mis dans le portefeuille par an. Maintenant, si vous achetez leur node, par exemple, de 100$, de 100$ à 1000$, l'entreprise vous donne 2% supplémentaires. 2% qui viendront se placer sur les 7% que vous avez eu ici. Nous allons faire un 9%. Est-ce que vous comprenez? Bien. Là, je suis clair avec tout le monde. Maintenant, je reviens ici au niveau des gens qui aiment développer le business. Supposons que vous aimez développer le projet comme moi. Quels sont les avantages que vous pouvez gagner ici? Le premier avantage est que lorsque vous partagez votre lien d'affiliation et que quelqu'un vienne se lancer dans le projet, ok? Que quelqu'un vienne se lancer dans le projet, l'entreprise vous paye un pourcentage de 15%. Dans les 15% que l'entreprise vous paye, l'entreprise enlève 20% dans vos 15% là. L'entreprise vous achète encore des STKK supplémentaires. Est-ce que c'est clair? Et les STKK supplémentaires que l'entreprise achète, l'entreprise vient déposer ça ici. Là, on a dit Buy Back Wallet. L'entreprise vous dépose ça ici. Et ça là aussi, ça sera débloqué. Débloqué après les 100 semaines du staking des STKK. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et ensuite, retenez que chaque montant déboursé par vos fioles pour acheter forme votre chiffre d'affaires. Et par exemple, ici, je suis obligé d'aller dans le groupe WhatsApp pour aller vous prendre un PDF. Vous allez voir et je vais vous expliquer ça. Les gars, ne manquez pas cette opportunité-là. Je suis le leader d'EB, je vis en République du Congo. Mon objectif, c'est de vous parler de ce projet qui est tellement très correct. Ok? Voilà. On va bouffer dans la crypto-monnaie. Celui qui ne croit pas en ce que je dis, tant pis pour lui. La vie est une question de choix. Je vous ai montré qu'à Shinsu, on peut devenir salarié. Oui, je suis rentré dans le plan de carrière de Shinsu. Pendant tous les 8 mois qui restent là, je serai payé à 1 250 $ par mois, soit 812 000 francs CFA. En fonction de la valeur de la crypto-monnaie que je vais trouver sur le marché. Là, maintenant, je vous parle maintenant des Strike. Que ceux qui ont des oreilles écoutent. Voilà. N'allez pas vous embrouiller dans des projets gratuits. Vous aimez des trucs gratuits. Oh non, il y a une crypto-monnaie qui est née. Machin, tout là. Ça offre les trucs gratuits. Allez, toi aussi, tu vas comme un mouton là-bas. Waouh. Pour aller prendre des trucs gratuits. Ok, on n'en discute pas. On n'a pas dit le contraire. Mais
Ce que je vais te dire, mon frère, si tu veux gagner dans la vie, tu dois te battre comme un homme. Faut pas aimer la facilité. La facilité ne conduit à l'échec. Bien. Je viendrai expliquer ceci. Alors, je reviens encore là. Ici, dans ce projet, pour des gens qui aiment développer les réseaux, quels sont les avantages? Là, maintenant, je m'adresse pour ceux qui aiment développer les réseaux. Voilà les avantages. Je vais cliquer sur Income. Je viens sur Royalty. Voilà. Ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'argent que vous gagnez quand vous atteignez ces grades. OK? Nous avons combien de grades ici? Mesdames, mesdemoiselles, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Nous avons 14 grades. Pour vous expliquer ça, regardez comment ça se passe ici. Regardez ce tableau-là. Le premier grade, c'est le grade Jade. Pour être Jade, il vous faut avoir 2000 dollars. Moi, j'ai déjà réalisé 2000 dollars, je suis Jade. Ici, je n'ai rien reçu. Pour être Pearl, il faut avoir un chiffre d'affaires de 5000 dollars. Or, ici, ce qui est intéressant, c'est que le chiffre d'affaires est cumulatif, comme au niveau des Shinsu. C'est cumulatif. Ce n'est pas au non, dès que tu as fini les 22, 2000 dollars, ça revient à zéro. Non. Ici, le chiffre d'affaires est cumulatif. Dès que tu atteins 5000 dollars, tu deviens Pearl. Et ici, on dit, tu gagnes 2000 dollars. Regardez, tu gagnes 200 dollars. Voilà ici. Tu gagnes 200 dollars. Alors, le 200 dollars que tu dois gagner ici, comment ça va se passer? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis en train de vous dire des choses. Les 200 dollars que vous gagnez ici, au niveau de cette prime, l'entreprise ne vous donne pas ça tout cash. L'entreprise paye ça en 4 mois. Soit chaque mois, tu gagnes 20% de ces 200 dollars qu'on te paye. C'est ça qui est la vérité. Alors, si tu veux devenir saphir simple, pour devenir saphir simple, l'entreprise te dit qu'il faut avoir 10 000 dollars de chiffre d'affaires et tu reçois 400 dollars cash. Et c'est la même politique, 20% par mois. Saphir 25, pour devenir saphir 25, l'entreprise te dit qu'il faut, pour devenir saphir 25, il te faut avoir 25 000 dollars. Tu as 1 000 dollars, on te donne, mais 1 000 dollars là, on te donne, comment on appelle ça? L'entreprise te donne, c'est ça, non? Oui. L'entreprise te donne ça chaque, qu'on appelle ça? L'entreprise te donne ça 20% chaque mois, pendant 4 mois. Si tu veux devenir rubis, tu dois réaliser un chiffre d'affaires de 50 000 dollars. Et ici, tu as 2 000 dollars. L'entreprise te donne 20% de 2 000 dollars chaque fin de mois, pendant 4 mois. Si tu veux devenir émeraude, il te faut totaliser un chiffre d'affaires de 100 000 dollars. Et l'entreprise va te donner 4 000 dollars, soit 20% de 4 000 dollars par mois. 100 000 dollars, je l'ai réalisé en 8 mois dans Shinsu. Hein. C'est ce qui a permis à ce que je puisse devenir salarié à Shinsu. Oui. Alors, ici, quand tu réalises 250 000 dollars, tu as 10 000 dollars que tu gagnes en prime et l'entreprise te donne 20% de 10 000 dollars chaque mois pendant 4 mois. Si tu réalises 500 000 dollars, tu es double diamant. 20 000 dollars. On applique 20% par mois. Si tu réalises 1 million de dollars de chiffre d'affaires, tu deviens triple diamant. 40 000 dollars, 20% de 40 000 dollars par mois, etc., 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 etc. Ça, c'est la commission de prime. Maintenant, en dehors de cette commission de prime, l'entreprise a encore une commission qu'elle appelle Global Lifetime Pool. Alors, quelle est la différence entre cette commission et la commission des salaires de Shinsu? Alors, la différence ici, c'est qu'à Shinsu, les salaires sont limités. Je dis bien à Shinsu, les salaires sont limités. À Shinsu, les salaires, c'est un salaire de contrat durée déterminée. Dès que tu as fini tes 8 mois, par exemple, là, il nous reste 8 mois dans Shinsu. En 8 mois, si tu arrives à rentrer dans le plan de carrière de Shinsu, que tu sois loué, pendant ces 8 mois-là, tu dois recevoir ton salaire chaque fin de mois. Après les 8 mois, le staking est fini, il n'y aura plus de salaire à Shinsu. Excepté si tu atteignais le dernier grade de Shinsu où tu dois te faire 75 000 dollars par mois, là au moins on te donne ça à vie. C'est ce qui est écrit dans le plan de carrière des Shinsu. Sinon, le reste des petits montants, ça reste à 8 mois. Maintenant, ici, dans ce projet, son salaire-là qu'on appelle Global Lifetime Pool, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, l'entreprise vous dit, vous gagnez sur le chiffre d'affaires global de la compagnie.
Chaque mois, l'entreprise réalise des chiffres d'affaires. L'entreprise enlève 10% de son chiffre d'affaires et partage à tous ses gradés. Et ces gradés en question commencent à partir de... Comment on appelle ça? Ces gradés en question commencent à partir... comment on appelle ça? Commencent à partir de Saphir 25. Donc, si toi, tu réalises un chiffre d'affaires de 25 000 dollars, tu deviens salarié de l'entreprise Strict. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, sur les 10% que l'entreprise enlève, donc son chiffre d'affaires, toi, en tant que Saphir, tu gagnes 2,5% de ce montant-là. Si tu es Ruby, tu gagnes 2,7%. Si tu es Émeraude, tu gagnes 2,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, là, quand tu es Émeraude, l'entreprise paye le pour bonus. Tu viens d'abord prendre la part de Émeraude. Ensuite, tu descends, tu viens prendre la part de Ruby. Ensuite, tu viens prendre la part de Saphir. Donc, ici, là, dans ce couloir-là, tu dois prendre 3 parts. Est-ce que tu me saisis ce que je vais te dire? Ici, tu dois prendre 3 parts. Tu prends d'abord Émeraude, tu prends Ruby, tu prends ici. Donc, tu dois prendre les 2,5%, 3 parts. Alors, ici aussi, c'est la même chose. Quand tu deviens diamant, tu diamant ici, tu gagnes 5% des 10% que l'entreprise partage. Tu es diamant ici. Pour être diamant, il te faut 250 000 dollars de chiffre d'affaires. Ainsi de suite. Ici, il y a des salaires en illimité, entre guillemets, à vie, comme à Crowd One. Il y a des salaires ici, on paye en fonction du pool bonus. Et pour gagner, pour avoir les chiffres d'affaires ici, c'est tout simplement l'affiliation. Donc, voilà les 2 projets lourds que moi, personnellement, je peux vous partager et je viens de vous partager. Moi-même, je suis là-dedans. Regardez, déjà là où je suis, mon grade actuel, c'est Jade. Donc, vous pouvez faire Shinsu et vous pouvez venir développer le projet ici. Je suis encore dans les débuts, je n'ai même pas fait 1 mois. Je vais peut-être dans les 3 semaines, mais je suis déjà Jade. Il me manque ici 5000 dollars pour atteindre. Il me manque ici 4900 dollars pour atteindre 5000 dollars ici. Dès que j'ai ce montant-là, je passe perle. Alors, la stratégie ici pour avancer rapidement, c'est quoi? Je vais créer un deuxième compte sous mon compte principal. Parce que ici, c'est un système linéaire. Donc, quand je vais créer mon compte-là, je vais commencer à acheter mes nodes avec ce compte. Les points là vont monter, le chiffre d'affaires là vont monter ici, ça va me donner un coup de pouce pour que mon compte là puisse monter rapidement. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà 2 projets phares que moi, le leader dev, j'ai décidé de partager avec vous pour que vous puissiez vivre d'une indépendance financière en 2022-2023. Et enfin, le dernier projet que je développe en ce moment, qui est un projet un peu risqué, mais j'ai préféré prendre mon risque dans ce projet. Ce projet s'appelle Solarium. Et donc, dans ce projet-là, comme je vous avais dit, son objectif, c'est de me permettre de me taper de l'argent. Et quand je fais mes retraits ici, je vais investir dans Shinsu pour acheter la crypto-monnaie Shinsu. Mais comme il y a aussi Strike qui est arrivé, donc cet argent-là va me permettre aussi d'acheter mes nodes au niveau de Strike. Alors, voilà ici mon compte Solarium. Depuis que j'ai commencé dans Solarium, voilà le total que j'ai déjà gagné ici. 891 dollars. Toi-même, il faut voir la date à laquelle j'ai commencé le projet. J'étais proposé, tu as refusé. On va vérifier ça. Parce que tu as eu peur, tu t'es dit, bon non, ça va scammer, etc. On va voir la date à laquelle j'avais acheté mon truc ici. Je ne sais pas si je peux voir ça ici ou bien comment. On va voir Marie Purchase. Le premier pack que j'ai acheté dans Solarium, c'était quand? Voilà. Le premier pack. Voilà. J'ai acheté ça le 12 septembre 2022. J'avais acheté le pack de 25 dollars le 12 septembre. Donc, le 12 septembre 2022 et le 12 octobre, ça va me faire 1 mois. Donc, pour le moment, je ne suis même pas encore à 1 mois dans Solarium. Mais toi-même, il faut voir que... pendant toute cette période-là, je me suis fait 891 dollars.
Mais comme ici, quand tu fais un retrait, chaque retrait, l'entreprise enlève 5%. Les retraits que j'ai fait ici, j'ai pu retirer 622 dollars dans le projet Solarium. Donc, le projet là me permet de gagner de l'argent ici, d'aller acheter ma crypto-monnaie Shinsu et aller aussi acheter, comme je viens de découvrir le nouveau business qui s'appelle Streak. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la vidéo chaude. Et ici, ça, c'est le wallet de Streak. Voilà. Maintenant, je vous ai promis quelque chose. On va aller sur CoinMarketCap. OK. On va aller voir Streak, la crypto-monnaie Streak. OK. Avant de finaliser, CoinMarketCap. D'accord. Moi, quand je parle, je parle avec preuve. Voilà. Moi, je n'aime pas trop les discussions bêtes là. OK. Voilà. STKK. STKK. Voilà. Je vois déjà la crypto. Voilà. Voilà la crypto-monnaie Streak listée sur CoinMarketCap. Voilà sa valeur, 228 euros. Donc, mon frère, nous sommes dans un vrai projet. Donc, voilà les projets que je viens de mettre à votre disposition. Voilà. Pour ceux qui veulent lancer dans Streak, vous pouvez me contacter sur plus 242 04 402 5026. Plus 242 04 402 5026, c'est mon WhatsApp. Donc, voilà. J'ai laissé aussi le lien de Streak en dessous de la vidéo si tu veux te lancer. La suite au prochain numéro, ça va aller. Mais oui.